Oh, on dirait que l'amour tourne autour de moi. Ma chérie, je suis amour. Je suis. Attendez, je vais me mettre comme ça. Il faut que la lumière de la fenêtre la résonne un peu sur moi. That is good. Let me turn the camera. Let me turn the camera over there. Oh my gosh. Si je n'étais pas moi, ce que je me draguerais. Allez, allez, on va parler des choses intéressantes. Bonjour, bonjour. Ce direct n'est que pour les choisis. Si tu n'es pas choisi, ne te connecte pas. Ça, tu avais parlé, ça va t'énerver. Tu vas dire que je bavarde beaucoup, que je crâne trop, que je. Ça va t'énerver pour rien. Donc, ce direct n'est que pour les choisis. Bonjour, mes chers choisis. Comment vous allez? Comment vous allez? La fenêtre est juste là. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas pourquoi vous montrer les choses de ma maison. Mais bon, vous voyez quand même. Voilà ma fenêtre là-bas. Vous voyez, non? Ça donne sur la fenêtre, là. Alors, mes chers choisis, choisis homme, choisis femme. On va parler des relations. Merci beaucoup. Merci, je sais que je suis belle, merci. Merci. Vous aussi, vous êtes très belle et très beau. Attendez, je vais un peu mettre quelque chose sur mes lèvres. Voilà. Ok. Bonjour, bienvenue. On va s'hydrater un peu. Oh my God. Ok. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Pourquoi je veux parler des relations? Parce que c'est encore une des dernières choses avec lesquelles on essaye de vous frustrer. Vous savez ça? Vous savez ça? Ah, je t'aime aussi, Noëlla. Hein? La forme de mes yeux te plaît. C'est comme les yeux des dessins animés là. Quand j'étais petite, on m'insultait que j'ai des gros yeux. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que mon pouvoir, tout se trouvait dans mes yeux. It's all in the eyes. It's just there. Donc, ça fait quelques mois que tu me suis et que tu te rends compte, tu t'es rendu compte que tu as des pouvoirs. Tu sais que tu es choisie, tu comprends maintenant pourquoi tu es comme tu es. Merci Sandrine, je reçois ta bénédiction. Je te retourne aussi cette bénédiction multipliée par 100. Beaucoup d'entre vous, la maladie que vous avez dans votre corps, c'est dû à l'amertume. L'amertume. Donc, je ne vais pas parler de maladie, mais pendant que je vais parler, beaucoup d'entre vous, vous allez être délivrés. Je devais être en train de consulter, mais on m'a dit de venir faire la vidéo. Donc, ceux qui ont payé pour que je les consulte, soyez seulement patients avec moi. Si vous voulez avoir le meilleur de moi quand je vous consulte, laissez que je sois dans ma zone avant de vous consulter. J'aime beaucoup faire les directs parce que ça guérit plus de personnes que quand je travaille sur une personne. Mais je m'occupe aussi des patients one-on-one, ok? Donc, soyez patients avec moi, s'il vous plaît, mes patients. Oui, si elle donne 23 kilos à 100 euros, tu me dis, je vais lui envoyer ça aujourd'hui, je vais lui envoyer la marchandise. Super. Ok, donc confirme déjà. Je vais demander qu'on poste ça. Et tu me donnes le numéro auquel on doit envoyer ça là-bas à Yaoundé. Moi, j'aime le business. Hein. I like business. Franck, sors, sors. Tu as compris? Steve, quoi là? Sors d'ici. Je suis ici là pour éveiller, pour aider à répondre à vos questions. Est-ce que je vais voyager? Est-ce que quitter là-bas? La merci, que quoi là? Je dis que. Même si, dans mes gros yeux. Mais oui, non. Je peux pas regarder. Je peux pas. Quand il regarde un homme, c'est comme si je mets la foudre sur lui. Oui. C'est difficile qu'un homme me résiste. Très difficile. Donc, parlons de nos pouvoirs. Parlons de nos pouvoirs. Il y a des choses très intéressantes que je dois vous dire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe?
L'une des dernières choses avec lesquelles on vous frustre encore, les gens vont voir comment tu rayonnes. L'année passée, je n'étais pas belle comme ça. Je regarde, ce matin, j'ai posté plein de mes anciennes photos. J'ai vu que j'étais noire, j'étais fatiguée. L'année passée, j'avais même les rides sur le front ici. C'est parti de tout. Regardez. Je ne sais pas là où c'est parti. C'est comme si... Il y a les gars de 23 ans qui me draguent. Donc, tu vas voir. Ils ont remarqué que tu n'as plus la pression du boulot. L'argent entre. Le mois, si tu commences, on dit qu'on va voir si ça va durer. Ça fait 6 mois que tu es indépendante. Hein? Ta beauté ne fait qu'augmenter tes nombres de vues. Oh! Ça les énerve. Et puis, ils cherchent avec quoi ils vont te frustrer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser contre la femme là? Qu'est-ce qu'on peut utiliser contre elle? Hein? Ha! Tu n'as pas de gars. Ha! Colette, travaille sur toi. Vous aimez seulement regarder mes vidéos, ce n'est pas assez. Si tu n'as pas encore acheté un de mes produits, tu n'as pas encore pris un lavage à distance chez moi. Vous savez, vous connaissez. Oui, je me suis lavé au pipi. J'ai vu comment quelque chose sortait de mon corps. On doit travailler sur toi. Bon, je continue. Tu vas donc voir comment ces personnes qui te guettaient, tes tantes là, au départ, on te critique. On te critique. Hein? Tu crois que quoi? Tu ne vas pas t'en sortir. Ici en Belgique, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Hein? Tu crois que quoi? Hein? 6 mois, 1 an, ça fait 1 an que tu es toujours là bien. On voit que tu deviens de plus en plus belle. Tu as même acheté la voiture. Tu as même acheté le terrain. Oh! Aïe, ah, yeah, mes gens ont les témoignages. Et voilà qui commence. Dominique, j'ai vu ton message. Mais je suis en train de parler, cherche l'argent. Tu as compris, Dominique? Ok. N'est-ce pas, les voilà. On commence à parler de toi dans le groupe familial. Oui, elle s'était mariée en 2014. Elle n'a pas duré dans le mariage. Hein? Le courageux va t'appeler. Ton oncle qui est courageux là, est ok. Est ok. Dominique, il faut qu'on parle des choses sérieuses. Tu sais, depuis que tu es parti de ton foyer là, hein? Vraiment. Alors que quand tu étais dans le foyer, tu avais les scènes. Tu étais grosse comme ça là. Le ventre était une barlaque. On te voyait comme une femme qui souffre. Et tu souffrais dans le mariage. Personne ne t'avait jamais demandé. Sandrine, est-ce que tu vas bien? Sandrine, ça va? Non. Quand on te voyait, tu étais toujours à bout. C'est comme si tu allais t'écrouler, tomber, mourir. Ça allait plaisir. Oh, Seigneur. Moi-même, j'aime utiliser mes produits, ça me plaît. Oh, pour moi. Donc, ils vont commencer à faire les réunions familiales. T'appeler que je suis avec ta mère. Depuis que tu es arrivé en Belgique, là, hein? Ça fait 8 ans que tu es là-bas, tu fais quoi? Hein? Alors que ça fait 6 mois que tu respires un peu. Ça fait 6 mois. Regardez, les cernes sont quittées sur tes yeux. Tous tes projets. Parfois, tu poursuivais un homme. L'homme te menace. Parce qu'il fallait que ta mère dise que elle vit avec un homme. Elle vit avec un homme. Viviane, ne vous posez pas les questions sur vous. Il va vous bloquer. Il me laisse savoir, il veut te bloquer. Il travaille sur une dame hier. Avant, tu es responsable. Je lui dis, mamie, viens, je dois travailler sur toi physiquement.
Je vous ai dit que j'ai augmenté le prix de lavage physique parce que beaucoup d'entre vous, quand vous lavez physiquement, vous manifestez. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas le même prix qu'à distance. Je commence. Quand les démons là commencent à parler, la personne tousse d'abord, commence à tousser, après, je vois comment l'esprit là commence à, il commence à monter. Il commence à monter. Sa voix change. Cette femme elle a 40, elle était 45 ans. Il savait que la personne qui bloque sa vie, qui a pris son étoile, c'est son père. C'est son père. Il parle. Il donne tout son nom. Quand il prononce pas bien son nom, il dit non, 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 je m'appelle. Il dit bien son nom. Il dit, qu'est-ce que tu veux à l'enfance? Il dit, j'ai pris son étoile depuis qu'elle est jeune. Il a près de 300 terrains. Il est bien. Si on compte la valeur financière de ses terrains, il est milliardaire. Mais il a pris l'étoile de sa fille, l'étoile de ton petit-fils. Quand vous donnez les homonymes à vos enfants, faites attention. Parce que le père l'a dit, son fils là, comme c'est mon homonyme, oui, il est pris aussi. Maintenant, ça revient aux relations. Hein. Quand la femme se m'a approchée, ça fait quelques mois. Elle avait. Tu vois, Jacques, elle est dans une relation. Peut-être, c'est quoi, c'était son deuxième ou troisième mariage. Un coup, ça va avec le monsieur, un coup, ça va pas. Le genre de monsieur Radin qui est parti rester là-bas en Bénin. Après un moment, elle s'est même découragée. L'acte de mariage est là, mais elle s'occupe de ses enfants ici au pays. Son père dit donc que c'est lui qui a même organisé pour qu'elle soit avant volée. Ma chérie, il y a certains mariages que tu es là seulement pour faire le « je suis là ». C'est l'organisation de tes parents, de tes tantes, de tes oncles, pour que tu restes avec un vaurien. Ma chérie, c'est un divorce, c'est une bénédiction. Sandrine, je te bloque, ok? Merci. Mais rien à foutre de tes rêves. Va te faire foutre. Certains de vos divorces, c'est une bénédiction. Comme on dit que bénédiction de Dieu. Madame, comment le trouve quand c'est pas la chef de pouvoir prendre les derrière pour les autres? Tu dois faire les coups du soir jusqu'à avoir le bac. Tu as compris, non? Voilà. Certains hommes, tu es dans le mariage avec lui. C'est pour ça que tu te questionnes trop. Est-ce que l'homme c'est bien pour moi? Quelque chose dans toi te dit que l'homme c'est te bloque. Je vous ai dit, oh, si vous quittez sur ma page, si vous ne m'aimez pas, il m'en fout. Il y a certains hommes que quand on te voit avec l'homme là, on dit yeah. 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 Ouais. Mais personne ne peut t'aimer jusqu'à te faire asseoir. Hein? Te dire que ma chérie, l'homme cela ne te vaut pas. Écoutez-moi bien. On vous a scammé avec le mariage. On vous a scammé avec le mariage. Oh! La douceur. Je suis sorti avec les vauriens. Oh, bata. Oh, j'ai fait le sport ce matin, mon coffre. J'ai envie de me tirer. Et dit que. Ah. Oh. Son père qui la bloque dit. Oui, que le vaurien avec qui elle est là, il rit. Elle était censée épouser un homme riche. Qu'elle a une lumière en elle. Parfois, j'observe ma vie. Tu vois, chaque fois qu'un homme vient à frôler comme ça, là, qui devait être avec toi. Après, tu ne comprends pas. Hein? Parfois, papa, je vais te présenter mon... Il y a un homme là, il est... Oui, il a les immeubles, il veut me...
Tu sais pas ce qui se passe. L'homme ne t'appelle plus. Certains d'entre vous, certaines, vos pères là sont mariés avec vous. Oui. Certains d'entre vous, vos pères, je vais laver les prochains jours là. Je suis encore à Douala jusqu'à aujourd'hui et demain. Oui. J'ai quelques lavages physiques à faire tout à l'heure. Certains de vos pères là, qu'ils ont attaché que ma... Ils ont dit que ma fille ne fera rien dans le mariage avec quelqu'un. Tu tournes. Tu te vois, tu es belle. Tu as un bon boulot. Hein? Tu tombes que sur les... Je ne sais même pas si tintamarre c'est le mot. Je ne sais même pas. Souvent, on t'a gâté que... Hein? On t'a gâté le genre que tu ne vas... Donc, tu vas voir le bon homme, le mauvais. Le bon, le mauvais. Tu vas partir que sur le mauvais. Tu pars, il suce ton énergie. Il suce ton énergie. Oui, tu as quelqu'un qui veut de toi, le père refuse. Oui. Il y a les pères sorciers ici dehors. Struggle, ne dis pas que les hommes blancs, les bons hommes sont rares, faut laisser ça. Gabriel, si tu utilises le sel, ça commence à débloquer tes choses. Il faut prendre un aimé qui tu continues ton travail. Hier, je vous ai parlé des produits. Je vous ai dit que j'ai fait le kit des envoûtements. Commandez le kit là, vous utilisez ça, vous allez voir. J'ai dosé les produits dans le kit là. Mais quand les gens là, quand l'esprit là va vouloir parler, il faut... Un jour, je faisais le lavage. J'ai fait le travail ici à distance, sur Internet. J'ai fait une vidéo de lavage. J'ai parlé, parlé, parlé. Après, il y avait un esprit dans une femme là, en France. Quand l'esprit a commencé à parler, elle a enregistré l'audio, elle m'a envoyé. Un esprit qui se manifeste. Un esprit se manifeste. Hein? Il te permet même de l'enregistrer. Parler, parler, parler. Envoyer. Bridget, my number is on my page. Ok? C'est parce que quand on vous parle, hein, vous avez fait que vous maîtrisez. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand les gens qui vous bloquent là parlent, la plupart de ces choses-là, c'est comme si c'était des idées que tu avais eues. Ça passait souvent dans ta tête. Tu vois souvent ça là, non? Une femme est venue l'autre jour à Badjoun, je travaille sur elle là-bas. Et pendant que je travaille sur elle, l'esprit me dit, parle pour son divorce avec son oncle. Elle a un oncle icône là qui la bloque beaucoup. Quand je parle, que voilà, je prononce ton divorce avec ton oncle. Elle me dit que quand tu as parlé de ça, j'avais rêvé une fois que j'étais mariée à mon oncle. Mais elle s'est réveillée, elle a oublié. Beaucoup des choses qui vous bloquent, l'esprit vous a déjà montré. Mais comme c'est au milieu de plein de choses, vous oubliez. Vous oubliez. Avant, il y a une autre, c'était son frère. J'ai travaillé sur l'autre samedi. Non, c'était pas samedi. Elle est venue quand? En tout cas, c'était avant-hier. Ça fait 3 jours. Son frère parle. Il donne aussi son nom. Comme tu es bloqué là, celui qui te bloque n'est pas l'homme. Et si vous pouvez vous prouver, c'est parce que vous aimez faire les tomates. Ma chose est bloquée. Mon voyage est bloqué. Qui a quelqu'un dans ta famille qui a bloqué ton voyage? Il y a quelqu'un dans ta famille qui est assis comme ça, qu'elle ne voyage pas. On vous parle, vous allez vous tourner. Okay? Je maîtrise, je maîtrise. Ok. David, tu dis que l'esprit double sort de ton corps. Tu vas parler aussi, ma sortie. Aïe, aïe, aïe. Pardon, tapoter le live. Quand ça bug, on tapote.
parfois, l'esprit là va faire que ah, la femme, c'est là, ce qu'elle dit là, ah, ça peut... Comme je parle comme si elle était parlé dans ta tête. Que ce qu'elle dit là, ah, c'est rien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les deux femmes sur lesquelles j'ai parlé, tu avais là, ce sont des personnes, on parle beaucoup, hein, je peux dire qu'elles sont comme des amis. Elles sont comme des amis. Je reste comme ça, je dis, mais viens, je travaille sur toi. Maman, l'esprit qui parle, le premier avant, tu as, ou c'est avant, avant, tu as, c'est que Satan qui s'est pointé. Il fait rire. Que tu ne peux rien. J'ai vu des gens comme toi là. Ne peux rien. Eh bien, hein. Quand on a fini, elle dit qu'elle a dormi jusqu'à. Dormi. Et dans le rêve, elle voit comment il y avait une rivière qui l'a séparée de sa famille. Et l'esprit qui a parlé là disait que je l'ai lié à sa famille. Que je, elle a donc, comme c'est son frère qui est parti faire des incantations contre sa soeur. Donc dans le rêve qu'elle a fait après que je travaille sur elle, elle a vu comment elle était séparée de sa famille cette fois-là. Parfois, tu dis que tu cherches l'argent pour venir qui travaille sur toi. C'est là que tu ne vois plus 5 francs. Quelqu'un te dit que je vais te donner l'argent. Je dis que sa carte se bloque. Aline, il faut laisser ta part là, que je me bats jour et nuit et jour. Je vous connais. Tu te bats comment? Est-ce qu'on se bat en parole? On se bat pendant le. On se bat. Les batailles spirituelles, ce n'est pas les bavardages. Je vous connais, non? Que le temps de Dieu. J'ai dit que je la lave si elle paye 100 000 francs. Si c'est juste 80, non. Voilà. Écoutez ce que moi je vous dis. Si tu trouves l'argent aujourd'hui, tu viens, je te lave ce soir, avant de partir. Donc, je vais maintenant vous donner les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être stable dans une relation pour le moment. J'explique. La chose, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes en train de... J'ai gagné une voiture... Maison, mais le bain de sel. Ok. Donc, tu es en train de... Depuis que tu as commencé le lavage au sel, tu as commencé à prendre tes kits, tu as commencé... Tu es en éveil spirituel. Tu es en train de te réveiller. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré l'autre jour qui se passe dans ta, dans la vision des choisis. Supposons cette semaine, si tu te vois, tu dis que bon, je peux prendre une maison de... 30 000 le mois. Le mois prochain, tu veux un endroit de 50 000. Dans deux mois, tu veux un endroit de 70 000. Donc, ton énergie est en train de grandir au jour le jour. Ton énergie est en train de grandir au jour le jour. Et ça fait que les personnes qui étaient dans ta vie dans le passé, malheureusement, beaucoup de ces personnes-là, c'est des qui? Ce sont les gens de notre famille. Et si tu es marié, tu vas te laver le sel, c'est très difficile, ce sera délicat. Tu auras beaucoup de problèmes avec ton mari. Parce que, voilà ce qui se passe. Tu es en train de, quand tu commences à faire ton travail spirituel, tu payes ta dîme, tu fais ton lavage au sel, tu commences à faire des salakas, supposons que tu as pris un lavage à distance, des choses comme ça. Tu commences à couper les énergies négatives qui te ralentissaient et qui faisaient que tu croyais que l'homme si avec lequel tu es, c'est ton meilleur. Donc, waouh, Seigneur, merci. Merci d'avoir permis que je sois avec l'homme si. Donc, avant, il y avait un truc sur toi qui faisait que le vaurienton là avec lequel tu es, tu croyais que c'était tu étais chanceuse de l'avoir. Vanessa et Wanden, je vous en prie, allez vous voir inbox. Allez vous voir inbox, ce qui veut vous bloquer. Vous avez suivi. Allez vous voir inbox. Si vous voulez vous donner des conseils, tout ça là, allez vous voir inbox. Ok? Merci. Vous avez vos profils, allez cliquer sur vous, allez vous voir inbox tous les deux.
Je dis que si tu es marié et tu te laves avec le sel, tu vas commencer à... Ton énergie va vouloir se détacher de l'homme avec qui tu es. Parce que quand tu es endormi, quand tu trouves un vorienton, si vous êtes déjà marié, n'arrêtez pas. Voyez-vous, inbox, vous parlez juste. Je vois que la communication passe entre vous. Ça ne me dérange pas. Donc, quand ton énergie est encore basse et que tu te vois comme une fille qui vaut, supposons tu t'estimes que tu vaux 300 000 francs le... Non, c'est même beaucoup. Tu vaux 50 000 francs le mois. Et tu travailles quelque part, tu as une petite vie monotone, tu rencontres un vaurienton. Pour toi, tu crois que c'est le prince Charles que tu as rencontré. Mais tous ceux qui connaissent le potentiel qui est en toi savent que c'est un vaurienton. Hein? Maintenant, tu es marié avec monsieur Vorienton. Et, pardon, Noé là, c'est toi qui fais le dictionnaire, non? Ajoute Vorienton, s'il te plaît. On a déjà mis pauvre. Hier, on a mis pauvre. Pauvre, on a ajouté pauvre dans le dictionnaire. Oui. Ajoute Vorienton, s'il te plaît. Tu vas voir que ton énergie est en train de se libérer. Hein? Et quand ton énergie se libère, tu vois plus grand. Sylvanie, tu ne te sens plus à ta place. C'est parce que c'est maintenant que ton pouvoir s'active. Tu ne vas pas rester dans le mariage là. Parce que monsieur le Vorienton, il profitait de ton ignorance de qui tu es. Il profitait de l'ignorance de qui tu es. Quand tu quittes monsieur Vorienton, le même jour, il y a beaucoup de rituels que tu dois faire. Tu dois couper les attaches d'âme. Soul ties. Parce que tes émotions, si tu es une femme, monsieur Vorienton te tenait. Il y a des Vorientons qui ont une énergie très, très puissante, mais ils sont paresseux. Il préfère utiliser son énergie pour dominer la dame avec qui il est. Vous suivez? Plus tu te laves au sel, plus tu fais tes déclarations, tu payes ta dîme, tu... Ça commence à devenir donc irréfutable. You cannot take the bullshit anymore. Tu n'arrives plus à prendre la merde. Ce qui fait que quand Vorienton vient, il dépose le vaurien sur la table, ou bien le plat de Vorienton, là, tu ne digères plus. Il y en a même, vous allez commencer à arrêter de faire l'amour avec vos gars. Quand il va vouloir te toucher, tu vas éviter. Tu vas tourner. Tu vas fuir. Parce que ce qui se passe, c'est que ton énergie est en train de s'élever. Et les choses, les faux trucs que tu acceptais avant, tu ne veux plus accepter. Oui. Donc, tu dois faire un rituel pour couper les cordes. Comment le faire? Tu écris, il y a plusieurs façons, hein. Ce rituel, je le fais à 10 600 francs. Comme à mon temps, je dois demander 10 600 à chaque fois. Donc, 10 600 pour le rituel. Mais, si tu le fais toi-même à la maison, tu peux utiliser le papier. Tu écris vos deux noms dessus. Non, je ne veux pas l'expliquer ici en direct. Je n'ai pas trop envie. Il y a des rituels que je n'aime pas montrer. Je n'aime pas partager ici devant les gens. Je ne vais pas le dire ici. Allez sur Facebook ou non, sur YouTube. Un homme qui a les moyens, quand il se met avec toi, les hommes qui ont les moyens ne sont pas bêtes. Hein. Ce sont généralement des énergivores. Donc, il a vu quelque chose en toi. Et il se nourrit de ça. Écrivez sur WhatsApp
Parce que sur TikTok, il y a beaucoup trop de messages. Donc, c'est très probable que je ne vous prenne pas sur TikTok. Donc, allez sur YouTube, vous écrivez couper les cordes, vous cherchez un rituel là-bas, vous faites ça. Je préfère. Quand un homme a beaucoup d'argent et il se met avec toi, même si tu n'as pas l'argent, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en toi dont il a besoin. Et le truc, c'est que la majorité de ces choses, on t'a toujours dit, mais tu n'as pas. C'est comme si tu étais endormi, tu ne te rends pas compte. Que l'homme, si te suce, tu es tout là. L'homme, si ne te vaut pas. Donc, tu dis, ah, je protège mon mariage, mon mari. Et tu sais que le vaurienton là, il t'utilise. Donc, ce qui se passe depuis un certain temps, surtout si tu m'écoutes, c'est ça que je vous dis, tout cas, si tu n'es pas prêt à changer de vie, de niveau de vie financier et tout ça là, n'écoute pas mes vidéos. Parce que tu vas te lever un jour à minuit, tu vas porter tes choses dans le sommeil, tu vas partir de la maison. Et c'est ça que ton subconscient veut. J'ai une de mes filles, non, très jolie comme ça. Ici à Douala. Elle avait un vaurienton toujours. Elle avait un vaurienton. Le jour là, tu as le premier kit, elle a utilisé. Premier kit. Elle arrive au moins trois fois la semaine là qu'elle est partie de la maison. Elle fait que réveille la Kitoga. Elle fait que réveille la Kitoga. Allez aussi sur Facebook, je suis sur Facebook aussi. TikTok, parfois, je ne sais pas trop ce qui se passe sur mes lives sur TikTok. Ton subconscient te dit que tu dois partir de là. Parce que même quand tu pars, la période qui va suivre, merci Evie, la période qui va suivre, il faut que tu te... Il faut que tu te... Tu protèges ton énergie. Tu avais Vorienton, Vorienton prend ton énergie. Seulement le fait que tu es dans la même maison que Vorienton, Vorienton prend ton énergie. Est-ce que vous savez ça? Même s'il ne te touche pas. La preuve, tu te réveilles le matin, tu l'entends, il passe. Qu'est-ce qui se passe? Ton énergie. N'est-ce pas? Seulement le fait que tu sois dans la même maison que Vorienton. Vorienton prend ton énergie. Tu commences à développer l'envie d'être seul. Avant de partir, tu dois couper les cordes entre vous. Tu dois couper les liens. Il y en a parmi vous. Pour que tu partes, il faut qu'on travaille d'abord sur toi. Il faut d'abord qu'on travaille sur toi. Ce que tu vas partir, après deux jours, tu vas rentrer. Quand vous rentrez ton voyage, maman, tu es à l'aise. Donc, tu sens comment ton énergie grandit. Tu te réveilles. Tu es productive. Attends qu'il va rentrer. Dès que le jour il rentre à la maison, là, tu vas voir comment ton énergie va descendre. Les vaurientons collent beaucoup. En pis, c'est ça que tu parles un peu comme ça. Vaurientons collent sur toi. Oui, tu fais quoi? Tu es où? Oui, bonjour, je vais super bien. Ma chérie, continue les bains de sel. Un jour, tu vas te réveiller à minuit. Dans le sommeil, tu vas partir de ta maison. C'est pas ton subconscient, c'est que tu dois sortir de là. Le kit visa coûte 60 000 au Cameroun. Les autres kits, c'est maintenant 65 000. Parce que j'ai augmenté des choses dans les kits. J'aimerais qu'on augmente. J'aime quand votre traitement est complet. Donc, cherchez là, vous venez payer les kits, vous faites votre travail chez vous. Ça vous libère, vous avancez. Tu t'amuses, tu vas quitter vos rientons dans le sommeil. Tu te lèves comme ça là. Taxi! La nuit, tu te réveilles, tu dis, hey, je suis où comme ça là? Que ton subconscient, tes guides t'ont fait te lever la nuit pour quitter vos rientons.
Et vous êtes donc jaloux. Tu as bien parlé, Joséphine. Jaloux. Et sa jalousie suce ton énergie. Ça suce ton énergie. Si tu avais un Vaurienton et que Vaurienton fait 10 millions le mois, ton énergie, tu as l'énergie de 20 millions le mois, ma chérie. Mais tu ne sais pas. Au cas je. Parfois, Vaurienton vient, il suce ton énergie. Tu fais 5 millions, il fait 500 000 le mois, il prend ton argent, il mange. Oui. Donc, tu vas commencer à remarquer que tu aimes être seul. Donc, même si tu quittes Vaurienton, tu ne seras pas pressé d'être dans une relation. Absolument pas. Tu ne seras pas pressé. On te dit, ouais, voilà, il faut que... Non, 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 tu n'as pas... Non, ça va. On te drague même. Tu peux au rendez-vous. Après, tu vois que... Ah, pour sortir encore avec quelqu'un, c'est trop d'effort. Hein? Tu ne peux pas... Tu n'aimes pas... Tu ne peux pas amener Vaurienton chez toi. Hmm? Ma chérie, si tu es seule pour l'instant, ça va faire quoi? Oh, quoi? Tu vas mourir si tu es seule? Fait que bon, ou partout au restaurant, vous mangez. Tu vois que, ah, s'il faut même partir un peu, Sandra, merci pour le chapeau. S'il faut même chercher là où on va dormir pour faire l'amour. Tu demandes que paye la chambre d'hôtel Vaurienton, on va commencer à dire, j'ai pas l'argent. Tu veux venir chez moi, mettre tes énergies là chez moi. Après, quand tu penses moi au processus de faire l'amour avec un Vaurienton, parce que son énergie n'est pas bonne. Il ne travaille pas sur lui. Tu sens que quand vous allez vous... Même seulement le fait de dormir à côté de toi, ça le remplit. Est-ce que vous savez que vous les choisissez, vous êtes comme les power banks. Vous êtes comme les power banks. This one is good. This one is good. Let me just put this one online. Come on, just wait for me. Wait for me. Wait for me. Something's got a hold on me. Hi, I'm from outer space. Make away in my bones. Attendez. I've been dreaming about flying for a long time. Bonjour. Quand tu as choisi, tu es comme le power bank. Ok? Tu es comme le power bank. Quand Vaurienton vient même chez toi, oh ouais, je veux qu'on sorte ensemble. Il se couche à côté de toi. Seulement le fait qu'il soit couché à côté de toi, il prend ton énergie. He's pulling the energy out of you, girl. Donc Vaurienton ne doit pas passer chez toi. Hmm? Vaurienton là, quand tu penses même à faire l'amour avec Vaurienton, tu vois que... Ah, quand il te touche même seulement la main, les choisis là, vos mains. Vos mains là, tu n'aimes pas qu'on touche tes mains. Il y a des moments où vous vivrez tellement haut que quand quelqu'un te touche, tu n'aimes pas... Là, la paume de main là, c'est ton point de contact. C'est ce que tu ressens depuis. Comprenez vos sensations. Les choses que vous ressentez depuis, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Tu es comme un power bank. Et quand tu fais ton travail spirituel, tu commences à te remplir. You're becoming full. C'est pour ça que quand Vaurienton te voit, il se laisse seulement sur toi. Oh, je t'aime, je t'aime. Tu dis, ah, come on. Leave me alone. I'm happy. Votre corps. Et tu restes comme ça, tu vas sentir souvent comment. Tu vas sentir comme s'il y a une charge électrique autour de ton corps. Vaurienton sent ça, hein. Vous savez ça, hein? Vaurienton sent votre énergie, il sent que tu es chargé. Que je suis à côté de toi, il me sent bien. Je me sens bien, tu vas me te 50 bien. Tu es toujours là, tu ne comprends pas depuis. Je vais poster ça là. Je vais vous poster ça. Bonjour. Quand tu as choisi, tu es comme le power bank. Ok. Vous ne vous comprenez pas, hein? Vous ne vous comprenez pas encore.
Tu es chez toi, tu es mal. Quand tu voyages, tu es bien. Ma chérie, l'environnement de ta maison n'est pas bien pour toi. Tu vis avec qui? Parfois, vous vivez toujours avec vos orientons. Vous n'avez pas compris que vos orientons. Parfois, vos orientons ont laissé les mauvaises énergies chez toi. Tu n'as pas purifié ton atmosphère. Je vous ai parlé des produits pour purifier l'atmosphère hier. Hein? L'affaire d'énergie, ce n'est pas la plaque. Quand tu es choisi, Monsieur Vorinton sent, il sait. Donc quand vous voyez là, il te dit, oh, je me sens bien avec elle. Et le truc, c'est que les choisis, quand tu es choisi et que tu commences à ouvrir tes pouvoirs, tu commences à avoir une indépendance dans ton esprit. Vorinton va venir. Vous finissez, bonjour. Monsieur Twist, écrivez-moi sur le truc là. Écrivez-moi dans ma bio, il y a le lien là. Le lien WhatsApp, c'est mon numéro. Monsieur Vorington, Sandra AMR, tu rêves que tu es au pays, prends le kit fondation et tu payes un lavage à distance. Ça va t'aider. Tu as des problèmes de fondation. Il y a des esprits familiaux qui te bloquent. On ne poste pas les commentaires dans ma vidéo plus de 3 fois, ce qui te bloque. Ok? Je suis pas ici pour te dire si tu as les enfants avec Landry ou pas. Va ouvrir tes pieds, tu couches avec Landry, tu vas voir si tu ne vas pas tomber enceinte. Asia, je vais te bloquer. Dernier avertissement. Je fais le direct pour les gens qui sont intelligents. Je ne veux pas les bêtetons ici, là. Ajoute-moi le mot là dans le dictionnaire. Je ne veux pas les bêtetons, je ne veux pas les simpletons. Voilà. Donc, quand tu commences, tes dons commencent à s'ouvrir. Tu ne parles plus en termes de pauvreté. Tu ne parles plus en termes de pauvreté. Tu commences. Tu vois, quand tu restes comme ça, tu dis, ouais, j'aurai ça. J'aurai. Tu accueilles simpleton ou bêteton ou bien pauvreton. Pauvre, oui. Tu prends pauvre chez toi pour une nuit. Pauvre ne doit pas venir chez toi. Pauvre ne doit pas voir là où tu vis. Parce que tu ne vas pas durer avec pauvre. Pauvre, c'est la passerelle, c'est le pont. Tu m'as suivi. Hein? Pauvre, c'est la passerelle. Ne lui montre pas ta maison. Il y a certains pauvres là qui vont commencer. C'est trop tard. Tu l'as amené chez toi. Pourquoi fait-il? Pauvre va venir. Oui, je suis devant chez toi. Je suis. Hey! Si pauvre n'a pas l'argent pour payer l'hôtel, tu ne chasse pauvre. Tu as suivi? Tu es en train de faire qu'il parte. Tu es dans ta tête que tu pars à quelle heure? Bon, voilà. Comme tu pars au bureau, là, moi, je vais un peu rester encore me détendre. Je vais chill. Comme tu as vu la maison, ça chauffe, c'est bien. Le lit est doux. Hein? Il y a Netflix sur la télé. Dans ta tête, tu dis que le gars, c'est pas. Non, sors. Ma ménagère vient. Je veux pas que tu restes. Il va signer. Il va signer. Sur toi. Oui, tu rentres à quelle heure? Tu me manques. Je pense à toi. Pauvre, bêteton, tout ça là. Il a vu dans ton énergie que la femme c'est abondante. Le matin, ça sort, tu sais. Vraiment, j'ai un petit problème là. Et il te parle de ses problèmes comme si de rien n'était. Il ne te demande pas l'argent, mais il te parle comme si. Oui, ma mère est malade, vraiment. Je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'il a vu comment tu es. Déjà, même hier, quand vous étiez au restaurant, tu as donné le pouvoir de 10 000 à une fille. Tu as aidé quelqu'un. Il dit, hey, la femme, si la donne facilement, elle donne facilement. Hey, hey. Que va te détendre chez toi, c'est l'hôtel. Il vit sur le canapé de quelqu'un, tu veux quoi? J'ai vu un autre une fois, il me dit que je suis chez ma mère. Quand je suis arrivée au pays, ma mère a dit non, ne pas prendre la chambre d'hôtel. Viens dormir, je veux te voir, mon fils. Maf, tu n'avais pas l'argent pour payer la chambre d'hôtel. Ma mère a dit qu'elle veut me voir. Tandis, ferme la fenêtre aussi là. J'ai ouvert la chambre, la fenêtre de la douche. Au piab, ok? Au piab, bon sort. Ah!
Il dit que, mais monsieur, quand il parlait comme ça, il disait dans mon cœur seulement, il dit que je n'avais pas l'argent pour payer l'hôtel. Ma mère a dit qu'elle voulait me voir. Ma mère a dit qu'elle voulait me voir, elle voulait profiter de moi. Il dit ça, faut me laisser. Oh là là. Maintenant, je continue. Une autre raison pour laquelle tu auras la peine à être dans une relation, tu es trop imprévisible. Je ne parlerai pas de la dîme, Patrice. J'ai fait des vidéos là-dessus. Merci. Bye. Tu es trop imprévisible. Depuis quelque temps que tu commences à aimer ton énergie, tu te lèves le matin, tu dis, je vais aller faire un massage. Je vais aller. Donc, en fait, tu aimes être bien. Oui. Oui. Tu es comme ça, like, what do I want to do? Tu fais ce que tu veux faire. On ne te contrôle pas. Du coup, ton problème maintenant, quand Povo vient à côté de toi, déjà que Povo, il a un patron qui va dicter tous ses mouvements. Non, mon patron, je ne peux pas parce que j'ai été une fois avec un Povo, je lui ai dit que. Il dit que, est-ce que demain on peut se voir? Il dit que monsieur, c'est moi. Je peux dormir demain jusqu'à 18h. Je peux rester dans mon lit jusqu'à 18h. Faites attention avec Povo. Povo! Povo Pro Max. Ajoute ça dans le dictionnaire. Tu dois me donner la liste du dictionnaire. Maëlys et puis Noëlla. Donnez-moi le dictionnaire là, s'il vous plaît. Povo Pro Max. Voilà. Ajoutez-moi ça dans le dictionnaire. Donc, tu as développé une capacité que tu fais ce que tu veux, ce qui te chante. Et Povo a encore dans sa tête le fait que je veux une femme qui va préparer pour moi, qui va. Povo, c'est POVO, s'il vous plaît, en passant. C'est POVO. Je veux une femme qui va préparer pour moi. Povo, passe 4 jours avec toi. Tu n'as pas déposé la marmite au feu. Hein? Au canet, what's up? Povo n'a pas encore compris. Povo, je ne peux pas même pas pour moi-même. Tu t'attends à ce que je peux pas pour toi. Hein, Povo? Donc, tu es devenu imprévisible. Et ne te dérange pas, depuis quelque temps, donc, depuis que je te lave avec le sel là, tu n'aimes plus, tu ne tolères plus le manque de respect. Tu dis, hey! Tu aimes être à l'aise. Tu manges ce qui te plaît. Tu dors là où ça te plaît. Oui. On peut se laver ou se laver le jour de son anniversaire. Pardon, ne me posez plus les questions comme ça. Je vous en prie. Oui, c'est moi. Povo vient de t'écrire. Il a senti qu'on parlait de lui. Tout cas, continuons. Tu es trop imprévisible. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas être dans une relation. Tu es trop imprévisible. Tu es dans une phase de ta vie où tu veux faire ce qui te plaît. Tu veux pas que ton bonheur dépende de quelqu'un. C'est pour ça que ta beauté, maman. Regarde, regarde. T'es en train de devenir belle jusqu'à. Une autre raison pour laquelle tu aimes être seule, c'est que tu n'aimes plus prendre les problèmes des gens sur toi. Tu vois, quand Povo, et le truc, c'est que Povo aime toujours, tu vois, il fait comme si de rien n'était, mais il veut te dump his shit on you, man. Tu sais, la voiture a un problème, je ne sais pas. Povo parle toujours des problèmes. Mais il y a les plaies, les femmes Povo, bien sûr. Il y a les femmes Povo. Povo, tu vas te parler, oh, la voiture s'est gâtée. Oh, c'était. Oh. Alors que tu t'assois, tu dis, bon voilà, on a fait ça, on a réalisé ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Votre énergie ne matche plus. Votre énergie ne matche plus. Tu comprends, ma chérie? Ça ne matche plus. Voilà pourquoi tu ne peux plus être avec Povo.
Te voilà. Une autre raison pour laquelle tu n'aimes plus être, tu ne veux plus être en couple pour le moment. Parfois, tu prends pour faux comme ça, là, hein. Il commence. Comme il demandait que tu pars, il reste chez toi. Il allait faire les statues avec ton. Bonjour, God Life. Il allait faire les statues avec ton. Il passe se coucher sur ton lit, il fait le statut. Il fait comme ça, là. Je suis sorti une fois avec un pauvre là, non. On est arrivé dans une ville, on est allé à l'hôtel là-bas. J'ai un Mac ici là. Tu vois, pauvre me dit que. Voilà. Pauvre me dit que je veux me filmer. Oh! Devinez alors ce que pauvre a fait. Devinez, non. Règle numéro 2, on ne donne pas l'argent à pauvre. Je ne sais même plus quelle est la règle numéro 1. Pauvre a commencé à se filmer. Il a commencé à se filmer. Il part. Je pars dans l'hôtel. Vous avez les petits lits, moi, ils dorment pas moi là-bas. Merci pour les lunettes, ma chérie. Je ne veux pas les petits lits. Je veux pas me serrer dans la nuit. Il prend le Mac, il se couche sur le lit comme ça là. Il allume toutes les lumières. Il y a les hôtels qui ont une lumière, il y a les hôtels qui ont quatre lumières, quatre interrupteurs différents. C'était la honte dans le genre là. Il allume toutes les lumières, ça brille. Il fait. Après il dit, on voit. Et regarde ça, il dit, yeah. Tu as voyagé, pauvre, prends ton canapé. Non, non, t'as pas de pauvre là, c'est pauvre. C'est même Pro Max là, je sais pas ce qu'on va dire après ça, quand même. Et les pauvres sont audacieux, hein. Pauvre, prends ta voiture, pas chercher notre go avec, tu parles de quoi? Le truc, c'est que vous devez développer un détachement émotionnel. C'est-à-dire que peu importe ce que pauvre fait, ça ne te fait plus mal. Thank you very much. Monsieur Johan, pardon, demande-lui, vous rencontrez déjà des gars là où? Il prend ton canapé, pas donner une femme. Développer le détachement émotionnel. Hein? On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. T'as pas de malchance, comment? Si tu dis que c'est la malchance, c'est le faux choix. Je vous donne les signes pour que quand Povo va revenir, vous sachiez le reconnaître et vous ne tombez plus dans les mêmes choses. Tu m'as dit que quoi? C'est ma malchance. On va te bloquer. C'est vrai. Tu as bien dit la mère des papillons que ceux qui viennent, qu'ils ont toujours les problèmes là. Chaque jour que tu t'assois avec lui, il a un problème. Tu l'appelles le matin, comment tu vas? Ouais, il y a le truc s'est gâté la nuit, il faut arranger. À midi, oui, j'ai pas fait. Et qui est? Il n'y a jamais rien dans ta vie qui avance. Non, arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie. Écoutez, l'art du détachement émotionnel. Je dois faire un petit bouquin là-dessus. Là, je dois écrire ça. L'art du détachement émotionnel. J'ai commencé à écrire les livres ironiques. Avec les pauvres, tout ça là. Ah, pauvre a dit que ton cœur est trop dur. Il ne connaît pas ce qui adoucit ton cœur. Allez, dites-nous ce qui a adouci notre cœur. Dites-nous. Notre cœur ne s'adoucit même pas d'abord. Parce que nous-mêmes, on adoucit nos cœurs. Envoie-moi quelques petits cadeaux. On va voir. De toutes les façons, je vais mettre au milieu de mes propres cadeaux. Parce que moi-même, je me fais des cadeaux. Vous devez prendre tellement bien soin de vous que quand un homme arrive dans votre vie, il est frustré. Il voit, tu as tout. J'ai voulu te faire un cadeau, mais je ne savais pas quoi utiliser, je ne savais pas comment faire. Je ne sais pas.
Voilà. Oui. Arrêtez vos bêtises. Non, c'est l'amour, l'intention qui compte. Lavez vos bouches encore bien. Pardon. Faites le bain de sel dans la bouche. Eva, trop d'ex qui reviennent. C'est pas pour rien qu'on a créé le mot ex. Ce ex, c'est dans le passé. Appelle-moi aussi, je t'aime, merci. Prends tellement bien soin de toi que tu frustres Monsieur Povo. Parce que si tu ne le fais pas, ça, il y a une période de ma vie où je ne savais pas prendre soin de moi. Et oh la pluie, oh bonjour la pluie, oh. Je ne savais pas prendre soin de moi. J'ai commencé, j'avais déjà un peu d'argent, mais je ne savais pas réserver un massage, aller me coucher, on me masse. Je ne savais pas aller m'asseoir. Un homme vient, il masse mes pieds. Il masse mes pieds comme ça là. Je suis allé au salon, j'ai dit que c'est l'homme qui doit travailler sur moi. Oui. Tu fais une bonne nourriture, tu manges bien, tu manges raffiné. Deux fois par semaine, tu pars dans un hôtel, tu dors bien. Oui. Tu laisses ton lit à la maison. Hein. Alors que ton lit d'abord est bien. Hein. C'est pas comme si ta maison n'est pas bien. Ta maison est bien. God's got me to the end. Vous savez, je prends tellement le. J'insiste sur ce que je suis en train de dire là parce que. Les pauvres là vous guettent. Et quand il va tomber sur toi, il suffit qu'il traîne avec toi une journée. Hein. Je dois reprendre le direct de TikTok. TikTok, je vais utiliser notre téléphone. Donc déconnectez-vous et puis vous reviendrez. J'ai 5% de batterie ici. Got me to the end. The place everyone with a. On a déconnecté le TikTok ici là. Worry about me. Hey, I'ma be alright. Tu es fatiguée, c'est normal, ma chérie. J'ai fait ça, tout ça pour une femme. Et en moins de 6 mois, j'ai perdu mon énergie. On donne plus son énergie aux gens. Le truc, c'est que quand tu prends très bien soin de toi, quand tu. Généralement, vous êtes parti vous occuper des gens parce que vous avez besoin de leur approbation. Mais quand vous commencez à vous occuper de vous-même, parce qu'il y a des relations que quand tu ne t'occupes pas de toi, tu commences avec la personne, tu t'occupes de lui. Après, tu te rends compte que tu dois t'occuper de toi. Tu décides de t'occuper de toi, la personne se fâche. Tu travailles ton argent, tu dépenses ton argent sur toi, la personne se fâche. Sérieusement. C'est ton argent, hein. C'est pour toi, hein. Parce que la personne est habituée. Tu rentres le soir, tu as acheté ton sac, tu n'as pas acheté pour lui. Ah, c'est mon argent, non? C'est mon argent, non? Hein? Faites attention. Be very wise. Be very careful. Careful. Mi carrefour, comme il y a une fille sur TikTok qui fait des vidéos pour faire rire là. Donc, quand je vais reprendre la vidéo TikTok ici, là, je vais. Mon numéro est là, Sylviane. C'est le 237 plus 237 693 50 22 66. Tu achètes le parfum, tu l'as acheté pour pauvre. Tu achètes le parfum pour toi, tu l'achètes pour Povo?
Enfin, tu achètes pour toi et plus cher que pour lui, pauvre se fâche. Tu vois, il bout de ça après que tu comprends. Mamie, ya, tu vends les produits, tu veux les astuces, tu dois payer. Arrêtez ça. Hey, pauvre femme, et pauvre femme, et pauvre femme. On n'a pas l'argent pour construire. L'argent qu'on a là, c'est pour manger, s'habiller, sentir bon seulement. Et tu vas mourir là. Dieu va pas te demander pourquoi tu n'as pas construit. Mais Dieu va te demander pourquoi tu te. Bon, je vais arrêter le live, je vais relancer. Comment on teigne la sauce, elle. Et oui, merci. Je vais vous donner une dernière raison pour laquelle vous n'arrivez plus à être en relation. Vous avez trouvé une raison à votre vie qui est plus forte. Vous vivez avec un sens de mission. Tu as l'impression que tu es l'employé de Dieu. Tu as l'impression que tu es l'employé de Dieu. C'est pas la blague. Tu as l'impression que Dieu, tu travailles pour Dieu. Quand tu rencontres Poro, lui, il travaille pour son boss, bien sûr. Et il ne comprend pas comment une femme peut dire que elle travaille pour Dieu. En fait, it doesn't make sense. Il ne comprend pas. Tu as l'impression que tu es sur la terre pour faire quelque chose de plus que de seulement travailler pour ton patron. Tu as l'impression qu'il y a plus en toi. Tu as l'impression que tu as une grande destinée. Et quand tu rencontres un homme, parfois même la conversation avec lui, toi tu parles de voilà, on est parti là-bas, on a aidé les gens, je suis sur un projet où on va faire, on va construire un orphelinat. Non. Lui, tout ça part, je me rappelle à l'époque en 2017. Je me suis marié en fin 2017. Et je commençais à peine ça, ces trucs-ci là. Et j'étais avec celui avec lequel j'étais. Lui, tout ça passe et qu'il voulait construire ses immeubles. Hein. Donc, ce qui fait que souvent, quand on était à la maison, nos conversations étaient un peu bizarres. Moi, il a dit que voilà, je veux qu'on fasse un orphelinat, on peut faire des dons, on peut faire ceci. Non, lui, il est là, genre. Il faut que je cherche l'immeuble. Il faut que tel de mes amis aille construire l'immeuble. Il faut qu'il construise l'immeuble. Donc, je me rappelle qu'il était content que quand on s'asseyait ensemble, le dialogue ne passait pas parce que on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Donc, parfois, c'est ce qui se passe. Toi et le gars, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Et les femmes qui sont en relation là, faites attention quand vous m'écoutez parce que il y a une probabilité que, en m'écoutant, que ce soit ce qui se passe. À un moment, tu commences à dire à monsieur, commence à lui dire, voilà, allons faire un don à tel endroit. Tu dis, mais tu sors d'où avec ça? Donc, tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas anormal. Je sais que c'est ce qu'on va te dire. Ah non, si tu désires faire des choses comme ça, tu es une femme anormale. Non, comment est-ce que tu peux. Tu n'es pas anormal. Tu n'es pas anormal. Tu peux développer la capacité d'être seul, non? N'est-ce pas? Ça ne tue pas, non?
Rentre pleinement dans ta future version. C'est pour ça que tu dois même, à la limite, éviter les anciennes connaissances. Parce que les personnes que tu connaissais avant, c'est comme si leur but, ce sera de te... en quelque sorte, même sucer ton énergie. C'était un peu comme, c'est un peu comme si ces personnes veulent que tu restes dans ton ancien toi. Et leur but, c'est de te faire douter de toi. Tu as pour projet d'ouvrir des magasins, des succursales, des ceci. Non, tout ça passe que, voilà, tu as vu ce que telle personne a dit. Oui, ils aiment profiter de ta gentillesse. Maintenant, beaucoup de personnes parmi vous, vous êtes bloquées. Vous êtes censé avoir une transformation, mais vous êtes au milieu. Tu n'es pas devant, tu n'es pas derrière. Tu es là. Tu es là. Tu es bloqué. Et ça ne va pas parce que les gens qui sont autour de toi, que tu as enlevés, ils sont partis, mais à l'intérieur de toi, tu doutes encore de toi. Tu te vois toujours comme une petite personne. Donc, tu dois absolument te laisser progresser. Laisse-toi avancer. Laisse-toi avancer. Laisse-toi devenir ta meilleure version. Prends 3 jours de jeûne. Réécris qui tu veux devenir. Prends un kit aussi, kit fondation, tu fais. Ça va pousser certaines choses. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas travailler. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des entités qui sont en vous, qui vous bloquent. Tu sais que je dois faire, mais tu ne fais pas. Bon, c'est chacun qui décide. Oh. Moi, je ne peux pas vous forcer. Les prières seules ne vous aideront pas. Vois la prière comme quelque chose qui est lent à agir. C'est pour ça qu'il y a certains des gens qui vous bloquent, que ça ne les dérange pas que vous partiez à l'église. Va à l'église. Prie. Mais ils ne veulent pas que vous... Il y a une dame que sur qui j'ai commencé à travailler. Oh là là. Je me rappelle très bien de cette dame. Le premier jour où elle m'a approché, c'était en février de l'année passée. 45 ans. Bloquée au pays depuis des années. Chaque mbengiste qui venait derrière elle. Tu vois, j'ai la femme qu'elle a une aura. Même à 45 ans, tu vois, elle est belle. Parce qu'un gars de 20 ans peut la draguer facilement.
belle, grande taille, brune. Premier jour que je travaille sur elle, l'esprit qui tend, elle parle. Tante qui a bloqué, bien sûr. Tante qui a tué sa mère et qui maintenant l'a bloqué elle-même, qui a bloqué ses enfants, ses fils. Voilà, tante qui parle. Je bloque tous les gars qui viennent derrière elle. Tout gars qui vient derrière elle, je le bloque jusqu'à. Finalement, il se fatigue, il part. Mars, avril. Premier jour qu'elle paye la consultation. À l'époque, la consultation, c'était 25 000. L'année passée. Elle est venue s'asseoir sur la chaise, le canapé chez moi le jour-là. Elle a attendu. Attendu, dit qu'on va. On va attendre. Elle reste sur le canapé, elle prie, elle prie. La fiancée de son cousin lui envoie 15 000. Elle avance. Il dit que je. Après, pas fouiller, elle a trouvé 10 000, elle est revenue. Je la consulte. Je viens la consulter. Elle dit que je vais te faire le lavage tout à l'heure. Elle part encore, elle boxe, elle cherche l'argent. Elle achète même la poule. Elle revient avec. Quand elle a acheté la poule, elle devait venir le lendemain se laver. Mais quand elle est arrivée le soir là, l'esprit me dit que lave-la maintenant. Parce qu'elle vivait dans un appartement, elle n'avait pas l'endroit pour garder la poule la nuit. Elle n'avait pas de balcon. Donc, quand elle revient pour déposer, elle dit que non, on te lave maintenant. Quand l'esprit a commencé à parler, l'esprit a dit qu'on l'a découragée pour qu'elle vienne ici là. Hein? Même la poule là, on l'a découragée pour la poule. Pourquoi est-ce qu'elle est venue déposer la poule là ici? Qui l'a même envoyée ici? On a bloqué son argent pour qu'elle n'ait pas l'argent pour te payer. J'ai travaillé sur elle l'année passée. Février, mars. Un des deux mois là. Mais, elle a eu trois opportunités. Un jour, sa cousine reste, lui envoie l'argent, elle va faire le passeport. Elle a obtenu la green card le même mois. Le même mois, son cousin lui a dit, je t'invite, je vais me marier en août, je t'invite. Il envoie l'invitation. Une autre cousine l'invite dans un autre pays pour qu'elle vienne là-bas travailler. Elle me contacte, elle dit que j'ai trois propositions pour partir du pays. Elles ont mis encore en prière, j'ai encore travaillé. Premier, l'invitation, elle est partie parce que vous savez que la green card, ça prend du temps. Elle arrive là-bas, on la bloque encore. Il continue de travailler. Finalement, ouvert, pam. L'autre jour, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui partait à l'ambassade. Non. Là, il a la dernière étape pour finaliser son tour pour les États-Unis. Là, c'est pour avoir les papiers là-bas une fois. Vous connaissez quand tu parles la green card, si on fait tout, ça passe. Tu arrives là-bas, tu n'as pas de point de papier. 45 ans. Donc, on l'avait déjà enterré ici au pays. Déjà qu'on savait que c'est fini pour elle. Comment la femme-là a la détermination? Tu vois, la femme que le premier jour qu'elle est vue, je dis, waouh, belle. Et lui dit tout, depuis le premier jour qu'elle est vue, je lui ai dit, que tu vas voir, ta vie va s'arranger. Je m'appelle l'année passée en août quand elle partait, elle m'a envoyé la photo, elle était dans l'avion. Je dis que moi voilà à 45 ans, c'est là qu'elle touche l'avion aussi. Il dit que ce n'est que le commencement, ma chérie. Ils vont lire l'heure derrière toi. Donc je donne les avertissements à vos tantes qui vous bloquent là. Certains d'entre vous foudroient, vous mourrez une fois. Méchantosaure que vous êtes. La tante elle a dit que nous on avait tué sa mère. Ils ont tué sa mère. Donc elle a commencé, elle était là au salon d'année pour faire qu'elle meure aussi. Lancer une fausse maladie. Et tu crois qu'elle a fait une fausse couche le mois d'avant. La tante dit que c'est nous qui avons volé les enfants qui étaient dans son ventre. Vous blaguez. Ils ont menti. Tu es là, tu dis Jésus, non, Stevie. J'ai vu les gens qui ont dit que Jésus, ils sont venus, j'ai fait pour eux. Ça pourrait sortir, tu dis que yeah, non, c'est telle personne qui me bloquait. Hein. Tu es là, tu parles comme ça, il y a ta part qui te bloque aussi. Oh! Oui, j'avais oublié, il y a la terre du village. Oui, ma chérie. Je vais mettre ça dans les commandes. Envoie-moi ton adresse, s'il te plaît. Il y a la terre, je suis rentré avec la terre du village. Oh, j'ai oublié de vous demander. Je suis parti sur un lieu sacré là, j'ai pris la terre là-bas. Pour que je mette ce message dans le groupe. Donc, quand vous venez acheter vos produits, il faut demander qu'on vous donne la terre. J'ai oublié de vous dire l'autre jour dans le groupe. Je suis rentré du village avec la terre. Prenez ça, vous lavez avec au moins une fois. Ok? Donc, quand vous venez acheter vos produits, ne venez pas prendre ma terre si vous n'avez jamais acheté mes produits. Moi, je vous dis, moi, cash, hoha. Moi, je ne travaille pas pour vous. Voilà.
La terre est gratuite pour ceux qui ont acheté mes produits et qui achètent mes produits. Voilà, je vous ai bien suivi, non? Bye. Parce que moi, je vous connais. Vous me suivez chaque jour, même 5 francs pour acheter le... Même la poudre, tu n'as jamais acheté, même le sel, tu n'as jamais mis sur toi. Quand je lave avec la terre, c'est là que tu confirmes le code. Il y a des gens qui se lèvent. Moi, j'ai déjà atteint un niveau où... Avant, j'avais peur. Genre... J'avais... Ma part de blocage était genre que j'étais... Ça faisait le yo-yo. Une période, je suis bien... Après, toutes mes choses chutent. Après, je suis bien... Après, toutes mes choses chutent. Et j'ai toujours su que j'étais appelé à être connu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi. Parce que... J'ai tout senti en moi. Tu vois, comme quand tu sais que tu es censé être connu. Voilà. Ce qui fait qu'il y avait des périodes où je suis là, comme ça, là, je suis bien. Et il y a tous les gens de ma famille qui me guettent. Ils sont là, comme ça, là. Vous voyez, non? Ils me guettent sous mes statuts. Certains se cachent même dans les statuts, tu ne sais pas. Ils partent sur mon Facebook, ils me guettent. Ils ne vont jamais commenter pour dire bonjour. J'ai même perdu mon enfant récemment. Même me dit que, ouais, ils ne disent pas. Ils disent, mais vous me regardez tout le temps, pourquoi, là? Hein? Tu es sous mes statuts, pourquoi, si tu n'es pas un sorcier? Je suis heureuse. Tu n'es pas heureuse pour mon mariage, je ne te dérange pas. Je suis même malheureuse. Même fait le message pour dire que, yeah, maman, désolée. Je les bloque, moi je vous bloque. Je vais faire la sorcellerie en plein jour sur mes statuts. Il y a des moments, je fais comme ça, je revois tous mes contacts là, je vous bloque. Je préfère que même les gens qui ne connaissent pas sur TikTok ou sur Facebook, vous voyez mes choses. Oui. Maintenant, quand j'ai. Il y a cela 2 ans. Quand j'ai compris qui j'étais et que mon pouvoir commençait à s'ouvrir, j'ai dit que le tout, c'est là. Et n'aie plus peur. J'ai mes choses, mais vous voyez. Quand tu vois, ça crève tes yeux. Un jour, en voyant, vous allez avoir la crise cardiaque. Quand elle achète la voiture, on va venir sur le téléphone dans ta main, on va voir qu'elle était sur le statut de Jocelyne. Moi, elle est finie avec ça. Oh là là. Oui. On vient, on a, tu vois, ta main cale sur mes statues. On vient, on prend le téléphone dans la main, on dit que ah, elle guettait les statues. Elle a la crise cardiaque pendant qu'elle guettait les statues de Jocelyne. Oui. Oui, le cas qui part. J'ai les gens à Yaoundé, ne te dérange pas, j'ai les gens à Yaoundé. Donc je vais envoyer la personne, va aller chercher, il va lui donner ça demain matin, sans souci. Toutes les opportunités pour moi sont bonnes, ma chérie. Moi, je ne fuis pas l'argent, c'est comment? Tu me connais même. Me, money. Money and me. I know we joke with my money. Monsieur Lankokodji, c'est comment? N'ayez plus peur d'eux. N'ayez plus peur d'eux. Le tout, c'est là où vous n'allez plus tomber. Avant, on se moquait de toi. Que, ah, un coup, ça donne. Elle n'a plus l'argent, c'est fini. Souvent, il a dit qu'on va voir quand est-ce que ça va. Comment est-ce que ça va durer. Ça fait bientôt, ça fera 5 ans. Ça va toujours durer. Que là, elle ne fait qu'augmenter. Après, on va tu construire l'usine. Elle ne fait qu'augmenter. Oui. Oui. Le cas qui part. Tu vas commenter. Quand tu vois, souvent quand je fais les délivrances, tu vois un sorcier comme ça, un esprit dans le corps de quelqu'un, tu dis que la femme, c'est là, c'est même qui? Je ris jusqu'à. Vous savez que les mauvais esprits, c'est pas. J'ai filmé une dame hier là. Elle est venue, j'ai travaillé sur elle à 18h, 19h, 18h, oui. Attendez un peu, je cherche. J'ai enregistré. Moi, je dis que la femme, c'est même qui? Tu sors même d'où? Je suis votre mal. Vos sorciers, sorcières là qui vous font les problèmes. Ils ont mon macabre. Oui. On pourrait dire que ça brûle. Je vais sortir. Tu fais d'abord quoi dans son corps? Tu faisais d'abord quoi dans le corps de l'enfant là? Hein?
faut voir comment la personne est libérée quand on la libère. Tu vois comment elle se couche comme ça là. Tu reviens de loin. Tu es dans une cage quelque part là. Contrôle à distance. Pour moi, il finit mon direct. Il est fini. Il faut que je consulte quelques personnes aujourd'hui. Je vous ai donné quelques raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous être dans une relation pour le moment. Mais c'est passager. Hein? Ce n'est pas que toute ta vie, tu seras... C'est passager. Ta vibration est en train de s'élever. Et pendant cette période de réalisation, okay, j'ai remarqué qu'il y a des périodes où j'avais des projets. Quand tu as quelqu'un dans ta vie qui suce ton énergie, hein, un pauvre ticone là, supposons que tu as 10 millions, tu veux faire un projet. Par compassion, tu vas vouloir prendre même 3 millions sur ça pour aider la personne. Alors que les 3 millions pouvaient t'aider. Les 3 millions pouvaient t'aider, non? Tu peux me faire un don d'un million dans une orphelinat, un orphelinat avant de commencer, de commencer ton chantier. Donc, il y a une période où on va te faire être un peu seul pour tout ça. Tu comprends? Tu t'assois, tu te laves bien. Tu laves ton corps, toute la saleté là quitte sur toi. Je vais bien, monsieur Crocodile. Toute la saleté là quitte sur toi, les mauvaises énergies. Les relations de gars que ça fait 8 ans là, tu es encore lié à lui, tu te détaches de lui. Oui, le père de ton premier enfant là. Tu enlèves l'emprise qu'il avait sur toi là. Il y en a parmi vous. Ça fait 15 ans que tu as eu un enfant avec un homme. Il a encore. Tu t'attaches encore. Hein? Blague avec la fessie. Blague. Blague. Non, tu te libères, tu te restaures. Oui, tu te restaures. Tu coupes. En tout cas, dans le direct d'aujourd'hui, on ne parle pas des pères et des enfants là. Certains baby fadala sont les sorciers. Ils ne veulent pas votre progrès. Ouais. Pour te prouver que c'est lui qui avait raison. Donc, je vais même partir dans ça aujourd'hui. Tu as besoin de temps pour te restaurer, pour savoir ce que tu veux de ta vie. Parce que durant les 10 dernières années, tout ce que tu voulais, c'était influencé par les gens. Tu es dans une relation avec quelqu'un, tu fais tes projets, ça converge toujours la personne. Parce que tu fais ton projet seul, je me rappelle une année, tous les décembre et tous les 1er janvier et puis le jour de mon anniversaire, ce sont les jours très très importants pour moi parce que je fais une sorte de rétrospection, introspection aussi, et je vois ce que je veux. Je me rappelle, il y a eu un 1er janvier là. Je parle, je donne mes plans avec... tu vois le genre de pauvre là que tu parles. Tu es avec lui, tu dis, bon, tu veux quoi de ta vie? Non, je connais, c'est dans ma tête, je connais. C'est dans ma tête. Donc, je me suis assise et j'ai mis ma part sur le papier comme ça là. Je mets une liste. Après, il se fâche. Parce que lui, il demande, où est ta part? Il dit que c'est dans sa tête. Il dit, partage avec moi. Il ne me dit pas. Il dit, ok. Maintenant, je dis ma part. Il se fâche. Je wanda. Je vois dans tous tes projets là, moi, je ne suis même pas dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai éclaté de rire. Et que je t'ai dit, papa. Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis très... Je vous ai dit, non, le jour où j'ai mangé mon premier macaron, je n'ai pas besoin pour le pouvoir avec lequel j'étais. Et je me suis senti tellement bien. Parce que c'était devenu comme si je suis sa mère. Tout, je dois seulement penser que, oui, il va faire comment? Oui, il va... Non, j'ai mangé ça seul. Vous avez léché mes doigts. Bon, c'est vrai que les macarons ne salissent pas les doigts, mais bon. Je suis rentrée le soir, je lui ai dit que j'ai mangé les macarons aujourd'hui. J'étais contente. J'avais fait quelque chose seule. Seule! C'était nouveau pour moi. Donc tu as besoin de guérir de cela. Oui. Et parfois, tu es quelqu'un que tu as beaucoup de pouvoir, tu gères beaucoup de choses. Supposons que tu as un immeuble.
que tu possèdes. Tu te mets avec quelqu'un qui n'a même pas, qui loue une chambre de 50 000, supposons. Tu vas lui demander conseil par rapport à ton business. Ton immeuble de 300 millions là. Hein? Sérieux? Tu peux pas, ma chérie. Tu peux pas te permettre. Vous n'êtes pas du même endroit. Il comprend pas. Ne porte pas ton pouvoir, tu peux lui donner. Parce que tu demandes, il parle et tu vois ce que tu vas faire. Parce que quand tu vas, il va parler, tu vas pas faire, ça va devenir des problèmes. Sa sagesse, il n'a pas de sagesse. Tu lui donnes les livres que lit, il veut pas lire. Écoute, il veut pas écouter. Crois que la sagesse qu'on prend là, ça vient d'où? Ça vient d'en haut, mais on s'éduque aussi. Hein? Oh, tu es sage. Waouh, tu as beaucoup de sagesse. Je m'éduque, je cherche, j'apprends. Vous comprenez? Donne-moi tout, sort de moi, U de Bendage. Les trois, c'est 60 000. Mais je te conseille de prendre le kit des envoûtements. Parce que tu auras tout ça dedans. Prends le kit des envoûtements, tu auras tout ça dedans. T'as suivi? Ouf, 60 000, ça va faire un truc comme 90 euros. Mais pour poster, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? D'accord. J'ai certaines choses que je vais envoyer en Belgique demain. Donc, ça peut réduire un peu tes frais de transport. Comme ça, de là, il va te poster. Donc, tu vas envoyer 120 euros. 120 euros. Parce que quand ça va arriver là-bas, il faut qu'elle poste chez toi. Donc, de la Belgique pour l'Allemagne, ce sera peut-être 20 euros d'envoi. Donc, envoie 120 euros. Oui, pour la France aussi, on peut vous poster ça. Donc, j'ai des colis qui vont quitter demain. On va envoyer ça tout à l'heure. Ça va partir de Yaoundé pour la Belgique. Oui, oh, je suis à Libreville avec ça. Je viens avec ça à Libreville la semaine prochaine, mardi. Mardi, vous pouvez venir chercher ça à Louis. OK? Pour la Turquie, si je n'ai pas quelqu'un qui vient là-bas, c'est un peu délicat. J'ai quelqu'un qui vient à Dubaï le 18. Donc, s'il y a des gens de Dubaï, vous voulez quelque chose, vous allez venir chercher à son hôtel. Donc, je ne vais pas vous demander les frais d'envoi. Parce que je pense qu'il va quand même me laisser envoyer les trucs. Il n'aura pas prendre d'argent pour les kilos. Et s'il me demande l'argent, vous payez. Hein. Oui, ça arrive en Allemagne. On peut poster en Allemagne. La mère papillon, je vis à Libreville. Tu me dis que quoi? Pour le Canada, on poste partout dans le monde, s'il vous plaît. Vous me voyez avec mon esprit ouvert comme ça. Là, que j'ai le compte commerçant chez DHLR. Moi, pardon, je suis international. J'ai le compte commerçant chez DHL. J'ai PayPal. Donne le numéro sur lequel on va te rembourser. Tu as compris, ma chérie? Ma chérie, quand tu veux payer les produits au Gabon, tu appelles au Cameroun. Tu payes sur Airtel Money. Le monsieur qui est là-bas au Gabon, il te donne seulement les produits. Donc, tu ne payes pas chez lui. Tu arrives, tu montes la capture d'écran, il te donne des produits. OK? On va inaugurer les locaux en début septembre. Pour le Gabon et puis pour Abidjan. Fin semaine prochaine, je suis à Abidjan. Bon, le numéro pour le Gabon pour faire le dépôt Airtel Money, c'est le 074 18 00 80. Est-il normal qu'une mère soit jalouse de sa fille? Tu parles de quoi? Tu ne m'écoutes pas depuis. Certaines mères sont jalouses de vous parce que vous êtes en train de vous ouvrir plus rapidement. Elle voit comment tu as accompli ta destinée, tu deviens, tu sais qu'est-ce que tu seras riche, ça la dérange. Oui. Oui. Partout pour mes produits, j'ai le numéro Wave à Abidjan. Tu payes sur Wave. Et puis tu peux pas chercher. C'est la 7e tranche à engrais. Ma pour le Sénégal, je vais venir au Sénégal. Je vais d'abord venir là-bas sur place. Même Ouagadougou.
Je vais envoyer la terre à... J'enverrai la terre à Paris. On va envoyer le colis à Paris aujourd'hui. Donc tu vas recevoir ça. On peut te poster, je vois. Donc on va t'envoyer ça en semaine. Voilà. L'astuce pour obtenir les papiers. Hey, Seigneur. Ah, les pauvres. L'astuce pour obtenir les papiers. Paye pour ton travail. Je veux pas les pauvres ici, là. Ne veux pas. Bonjour Stéphanie, je t'envoie le numéro Wave, tu payes et puis tu peux aller récupérer à engrais. Tu veux quel produit? Je dois d'abord te consulter. Paye d'abord peut-être 60 euros. Je te fais un lavage à distance. Quand je vais travailler sur toi, attends, je verrai ce qui te bloque. Je vais voir. Je regarderai dans ton énergie. Bon. Je vais vous laisser au. Bye. On va continuer à enjoy la vie. Enjoy la vie aujourd'hui pour moi, hein, s'il vous plaît. Allez, enjoy la vie. La vie est trop belle. Hein? Facebook, bye. Je vais sûrement faire un direct ce soir. Je recommence les consultations aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, ceux qui sont à Douala qui veulent le lavage physique, cet après-midi, fais le lavage à Douala. Cet après-midi. Ok. J'ai envie d'écouter une musique là, mais je ne vais pas mettre sur Facebook. Donc, Facebook, bye. Je vais écouter la musique avec les gens de TikTok. Parce que TikTok ne coupe pas les droits d'auteur. Facebook dérange. Bye bye.